Bien sûr que la victoire, elle est plus qu'obligatoire. Oui, cette défaite de Chambéry, elle est décevante. Non pas sur le contenu, parce que bon, le contenu, stratégiquement, avec les conditions climatiques, l'état du terrain, voilà, c'est des matchs qui se gagnent sur le dépassement de soi, le don de soi, le combat, et là-dessus on n'y a pas été. Donc voilà, je crois que les joueurs en sont conscients, ils l'ont vu. On leur a dit. Maintenant, comme on l'a dit, on va arrêter d'expliquer des choses et on va faire. C'est surtout ce qui m'intéresse, faire les choses. On fait un sport de combat, et si déjà tu n'es pas dedans, ça peut être Cognac qui n'ont pas gagné peut-être un match de la saison. Mais voilà, on a joué Chambéry la semaine dernière qui était 11e. C'est pas faute d'avoir prévenu et de dire attention, c'est une équipe qui est intéressante. Et Cognac, ça sera la même chose. Si on les prend de haut, si on ne respecte pas cette équipe-là, si on ne respecte pas les fondamentaux de notre sport, eh bien, ça sera compliqué contre Cognac. Comme si tu fais pas la même chose contre Dax, contre Valence, c'est exactement la même chose. Donc, voilà, on leur a fait surtout comprendre que maintenant, alors je sais pas si c'est un manque d'humilité ou un relâchement, mais il faut qu'ils mettent les ingrédients, les indispensables avant de réfléchir à autre chose. On va faire jouer les mecs qui ont du caractère en tout cas. Et qui ont envie d'aller à l'objectif. Voilà. Aujourd'hui, on a un souci avec le staff. C'est qu'aujourd'hui, pour faire l'équipe, on ne se gratte pas la tête. Hein. On a 23 joueurs. Donc, il y a ça aussi. Il me tarde aussi que les mecs blessés réintègrent le groupe et qu'on amène aussi de la concurrence. Parce que. Mais ça va tourner, ça. À un moment donné, je pense que cette infirmerie va se vider et que, bah, il faudra qu'ils se gagnent. Ouais, que les mecs se gagnent le truc. Ça aussi, depuis le début, ça ne nous lâche pas, quoi, cette infirmerie. Donc, ouais, on espère que ça va. Mais ça va changer. Je suis persuadé, il y a des jours meilleurs qui vont arriver. Tout le monde va rentrer, ça va amener de l'émulation. Et puis voilà. Mais je suis confiant pour ce week-end. Je sais que sur l'état d'esprit de ce week-end, on va y être.